Elle ne passe pas inaperçue, belle protectrice, elle trône majestueusement sur la commune de Cocody depuis la paroisse Saint-Jean. La tour mariale dénommée Notre-Dame de Cocody a été consacrée le samedi 7 octobre en présence de fidèles catholiques et personnalités venues nombreux exprimer leur reconnaissance à la Vierge Marie. Une tour mariale à Notre-Dame de Cocody. Pourquoi Cocody? En nous rassemblant ici à la paroisse Saint-Jean de Cocody, nous voulons honorer celle à qui cette commune fut consacrée le samedi 26 octobre 2019. Ainsi, la construction de ce monument marial vient affirmer et montrer aux habitants de cette commune de Cocody et même à ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, combien la présence maternelle de la mère de l'Église en ce lieu est pour nous. Haut de 24 mètres, la mise en œuvre de cette infrastructure a été réalisée par l'entreprise PFO. Les initiateurs, ce sont eux. Monsieur et Madame Yassé sont fiers d'avoir contribué à l'exposition de la Vierge Marie, Mère de Jésus. Mon épouse et moi, prions Notre-Dame de Cocody qu'elle vous obtienne les faveurs de son Fils, qu'elle vous bénisse et nous donne de toujours faire l'expression de ses vertus. Nous n'avons aucun doute que Notre-Dame de Cocody fera des merveilles pour Cocody et pour notre pays. Donnant dos au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, la statue Notre-Dame de Cocody a le regard fixé sur le boulevard Latrille. Belle opportunité pour les fidèles catholiques qui célèbrent la Vierge Marie en ce mois d'octobre, dédié aux prières du rosaire.